Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Robocraft, chers amis. Et donc on repart, en espérant trouver une game le plus rapidement possible. J'ai toujours pas de nouvelles au niveau de ma tour, quoique je suis en train déjà de vérifier pour voir, hein, sait-on jamais. Relève du courrier, rien du tout. Bon bah tant pis. Indésirable peut-être. Boîte d'envoi, j'ai rien. Indésirable, waouh, on se calme. On se calme. Non, il n'y a rien dans les indésirables qui puisse être lié à ça. Bon. C'est un peu long. On se retrouve tout de suite. Chers amis, quand j'ai fait escape pour sortir du truc, ça m'est rentré dans la battle. Alors, je sais pas trop ce qui va se passer. On a réussi à s'y téléporter, apparemment. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ok, bon bah écoutez, on va bien voir, hein. Donc ce robot est devenu un anti-air et aussi capable de faire quelques dégâts en tout cas autour, hein, pour vous le dire. Je vous rappelle que le canon anti-air ne fait pas beaucoup de dégâts entre guillemets, ne fait pas de dégâts explosifs, en tout cas de dégâts splash sur les tours. C'est pour ça que j'ai rajouté donc de quoi faire un peu plus de dégâts à ces dernières. Donc, oh, c'est toujours aussi stylé de voir ça, hein. C'est parti. Et deux. Oh là là, la vie en rose. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Là j'aurais eu de quoi tirer là. Non, non mais c'est des potes. Pas de bol, c'est des potes. Bon. Ce rose qu'on nous propose. Hop, redescends sur terre s'il te plaît. Ah mais... Ok, il y avait en plus un sniper, c'est génial. Bon. Hello. Hop, là on devrait la voir de là. Ok. Cassez-vous. Il moi. Merci. Par contre niveau heal, t'es pas une lumière, on va dire. Ok, c'est bon, t'es partant. On y go. Ah, il y a du monde devant aussi. Par contre, t'évites de me pousser comme ça, s'il te plaît, merci. Hop, retourne chez toi. C'est pas qu'il me saoule, mais il me saoule. Hop. C'est pas moi qui le tirais, en fait. Excuse-moi l'ami, c'est vrai que t'es bloqué. J'ai pas beaucoup de kills. Hein. Je ne fais pas beaucoup de kills. Ok. Je vais approcher. Hop. Ok. Your middle fusion tower is under attack. Your top fusion tower is under attack. Casse-toi, t'es devant. J'ai pas anticipé assez ces tirs. Ah, je tremble quand je tire. C'est marrant, ça me faisait pas ça avant. Parce que je suis pas sur un tapis de souris, tout ça. Ok. Oh mais t'es devant. Brut, il finit. Putain, oh ce saut. Ce saut de saucisse.
C'est le seau de saucisse. Aïe. Aïe. Nom de Dieu. Pourquoi ils ont récupéré une tour? Aïe. Mais putain, regardez où vous allez les mecs. Eh oh. On se fait shoot. Ok. C'est fait. Vas-y, ose ressauter. Ose ressauter, l'ami. Ah, je tremble comme une feuille quand je tire, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Ok. On les tient, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ok, parfait, on y go. Aïe. Est-ce que je peux reculer? Est-ce que je peux rester sur mes roues? C'est saoulant là, depuis qu'on peut faire sauter les véhicules, entre guillemets là, en les faisant bouger là, je sais pas trop comment. C'est véritablement saoulant. Alors, vas-y, régène un coup. Ça y est, merci. Ah bah voilà qui tourne tout seul maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Il veut plus. Il a perdu. Mais quand j'avance, il recule. Merci. Oh mais oh. Arrêtez de vous bloquer. Oh mais. Mais regardez-moi ça! Dégage! Regardez ça! C'est quoi ce bordel? Il est moi! Mais non, casse-toi! Mais regardez ça! Il n'y a pas de physique dans ce jeu! Ce jeu, c'est de la merde! Ah non, mais c'est saoulant! C'est saoulant. Je suis désolé, c'est saoulant. Maintenant, quand tu rentres dans un ennemi, les deux ennemis volent! Quand tu rentres dans un autre corps, dans un autre joueur, les deux joueurs s'envolent. C'est génial. C'est absolument génial. Ouais, du coup, ça aide vachement pour les blades au final quand ils pensent. Parce que si tu rentres dedans, t'es éjecté. Donc le dégât continu ne se fait pas. C'est sûrement à cause de ça. Les gens se sont plaints parce que voilà, ça faisait des dégâts continus. Tant qu'il y avait contact, et bah écoutez, c'est le principe de l'arme. Hein. Hop. Vengeance. Your middle fusion tower is under attack. Your middle fusion tower has been captured. Oh putain d'abruti! Ah non mais c'est saoulant! Hein, je vais te piquer ton kill! Ah bah j'ai que ça à foutre! Dégage. Mais merde, si on a plus de points de repli, maintenant c'est. Ça va être la galère, donc c'est pas la peine. Attends, viens voir papa toi. Tant. Ah. Aïe. Mais c'est débile! C'est débile comme principe! Tiens, dégage! Voilà! C'est absolument débile comme principe! Oh Dieu, il est moi! Mais non! Est-ce qu'il y a un endroit où il y avait des heals? Non. Bon bah j'ai rien dit. On va se taper encore 12 secondes de repop, donc je vais boire un coup. C'est parti. On y retourne. Oh,
Hop. Oh puis quand c'est... Mais merde. Oui. Oui, c'est beau ça. Putain. Oh, la physique de jeu est à chier. À chier. Alors je disais qu'un gamin de 2 jours avec ses pieds pourrait mieux programmer la physique du jeu, enfin meilleur, avoir une meilleure physique dans le jeu, mais je crois que je suis gentil. Je crois que si on arrivait à faire un, à foutre un clavier in utero directement, un gamin formé de 7 mois on va dire, réussirait à faire une meilleure physique dans le jeu. Oh là là, la catastrophe. La catastrophe. Rentrer dans un ennemi, bien sûr. Ça le fera voler à 3 km. Faites-le. Faites-le, franchement, faites-le. Bon. On était là aussi pour prendre des tours, j'ai dit. Écoutez, on va essayer de faire notre boulot. Je suis là. Hop. Aïe. Que quelqu'un va s'occuper de cette saloperie. Tu viserais les armes, espèce d'abruti fini. Mais même dans mon équipe, ils comprennent pas qu'en visant les armes, tu peux les détruire ou quoi. C'est quoi le beans? Oh là là, c'est sous long. J'ai l'impression de jouer avec des noobs. Des newbies. Des petits newbies. T'arrives en endgame, ils savent pas qu'en visant les armes, tu t'as moins de chance de te faire de prendre des dégâts dans le nez. Mais non, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. Ça y est. Wouhou, c'est la fête. Voilà, eux ils savent par contre. Hein. Ok. Mais oh, putain. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors on a quand même deux ennemis qui sont. Deux alliés qui se sont barrés et. On n'a pas plus de régène que ça. Hein. Eh ben non, raté ton tir. Il va m'attendre là. Dégage de mon chemin. Hop, dégage. Dégage. Mais ils sont où les dégâts? Regardez ça. Oh la gueule, ils sont tous morts. Mais non, bien sûr que non. Donc, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu tires sur la tour encore? Qui est con? Vous voyez pas que la tour était bleue? Oh, le tir de snipe. Le tir de snipe qui fait très très mal. Le tir de snipe qui fait très très mal. Allez les mecs. Mais non, mais tire avec tes SMG. Tes SMG. Oh mais non, mais c'est pas possible. Quelle utilité de mettre 3 armements. Mais en 2 déjà, c'est déjà pas mal. Bon, maintenant tout ce qu'ils veulent, faut que je le bute. Faut que je bute tout ce qu'ils veulent. Tout ce qui tente une approche en volant. C'est un allié. Faut que je nettoie mon écran parce que je vois des points noirs partout. Casse-toi! Hop. Oh, t'es sérieux? Voilà, merci. Oh merde. Merci. Même si c'est fini. Merci. Je comprends pas que ces armes fassent autant de dégâts. Je comprends pas. Lui, il en a une, il me fait des dégâts de malade. Moi, j'en mets 3, j'en fais pas de dégâts.
Je ne comprends pas. Hop, merci. Clock cycle booster activated. Spotted. Your top fusion tower is under attack. A player has disconnected. Quoi? Your respawn time has been reduced. Putain, c'est pas possible. Your top fusion tower has been captured. You no longer have your clock cycle booster. Hop. Your bottom fusion tower is under attack. Ok. Spotted. Spotted. Your bottom fusion tower is under attack. You have captured the enemy's top fusion tower. Clock cycle booster activated. Viens me voir. Your bottom fusion tower is under attack. Your bottom fusion tower has been captured. You no longer have your clock cycle booster. Hop. Ah. Merci. Oh, retournement de véhicule sur avec des chenilles, hein. Avec des chenilles, chers amis. Hein. Je crois que c'est les seuls, c'est les trucs les plus lourds. Hein. Et le véhicule arrive à se retourner. Allez comprendre. Franchement, allez comprendre. Ça me fout le cul. Et que je comprenne aussi pourquoi avec 1, 2, 3, 3 mecs barrés, on a que 36 secondes de retard et j'ai une minute pour repop. J'aimerais comprendre pourquoi je dois mettre une minute pour repop. Honnêtement, ça n'a plus aucun sens ce jeu. Hein. Ouais, on a tout perdu, c'est la fête. C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. Ok, bon bah écoutez, c'est fini. Tu t'es pas dit qu'il fallait me prendre la tour? Non, bon bah tant pis. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Je sais pas ce que je dois faire. Honnêtement, je sais plus ce que je dois faire. Je vais juste aller voir un truc, c'est le poids des chenilles pour voir qu'on rigole. Hein. Qu'on rigole, qu'on rigole. Je veux savoir. Ça me gonfle. Il y avait pas de physique à la base dans le jeu. Mais avec ce qu'ils ont fait, il y en a encore moins. C'était où le bouton? C'est celui-là le bouton? Non, c'est pas celui-là. C'est ça. Merde, j'ai perdu le bouton pour. Non, là, c'était A. Pourtant, c'est bien, il voulait pas le lancer tout à l'heure. Ok. Alors, un cube classique pèse 15 kg. Une chenille T mammouth pèse. Alors, que je me trompe pas, 37 tonnes et demie. Mais on arrive à se retourner. 37 tonnes et demie. Une chenille pèse le poids d'un camion. Plus d'un camion. Qu'on m'explique. Qu'on m'explique, chers amis. Qu'on m'explique. Je veux savoir pourquoi je peux pas. Pourquoi je peux pas. Enfin bon, c'est comme ça. Sans doute quelque chose que j'ai pas compris, hein, c'est tout. Hein, c'est comme d'habitude, vous me direz. Bon. Bon. Eh bien écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, bériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom. Donc faire dans la barre de la chaîne, abonnez-vous et partagez les vidéos. Ce sont deux excellents moyens que vous avez pour me faire connaître les amis. Je vous en remercie. Vous voyez, nous avons 2 500 000. On va attendre d'avoir un petit peu plus pour pouvoir nous payer sans doute un des deux modules actuels. Donc c'est-à-dire le Distill module ou le Blink module. J'aurai un petit penchant pour le Blink peut-être. On verra bien en tout cas le moment venu. Ou alors tout simplement le shield, hein, mais je ne sais pas encore trop. Je pense plutôt que ce sera le Blink pour pouvoir le mettre sur ce robot. Ça devrait passer. Ça passe plus là. Ça passe plus. Mais bon, il y aura moyen de trouver une astuce pour le faire passer. On verra bien. Il pèse combien déjà en ce truc là? 285. Ah oui, déjà j'ai à peine. J'ai même pas. J'ai 240 points. Donc il va falloir que j'économise sur certaines petites choses. Je pense principalement ces deux choses. Donc il faut que je fasse 45 points, ça pèse, 30 flops, voilà, et celui-là, 20 flops, donc vous voyez j'ai ce qu'il faut. En supprimant ces deux trucs là, je pourrais mettre un blink, on verra bien le moment venu, je pourrais tout aussi bien supprimer quelques
petit booster, hein, ce sera pareil. Vous voyez, hop, si je les supprime. J'ai rien que ceux-là. Ou alors plutôt je garde. Je garde ceux-là, voilà, c'est ça. Et je supprime ça. Hop. Juste pour voir. Et nous sommes à actuellement 264. Ah quoique non, il faudra qu'on supprime un peu plus. Peut-être ceux-là, tout simplement. Ah mince, ça c'était pas ce que je voulais supprimer. Hop. Parmi comme il faut, là s'il te plaît. Tac. Voilà. Hop. Et donc on se retrouve avec normalement 227, ça fait 80, 90, c'est bon, on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut pour mettre un blink là-dessus. Bon, il n'y aura plus qu'à trouver l'endroit où est-ce qu'on va le mettre. Bon, bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci d'avoir regardé, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Salut les gens. Et yo.